Bonjour à tous et à toutes. Je vois déjà quelques noms ici, des personnes qui nous rejoignent. Bienvenue. On va vous donner encore quelques secondes pour nous rejoindre. C'est formidable que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vois qu'il y a plus de personnes. On va leur donner encore 30 secondes. Fabuleux. Il y a de plus en plus de participants. Bonjour à tout le monde. C'est formidable de tous vous voir ici. Merci d'être là avec nous. Vous nous rejoignez de l'ensemble du pays. C'est formidable de vous avoir ici. Merci. Nous allons commencer. Bienvenue à la Fondation canadienne des femmes et à notre Assemblée générale numérique annuelle. Merci de vous joindre à nous de votre communauté. Je suis Andrea Gunraj. Je suis la vice-présidente de l'engagement public et je suis accompagnée de ma collègue Ariane Wilson, qui est la coordinatrice des communications numériques. J'aimerais accueillir tous nos amis francophones et anglophones. Certaines parties de cet événement seront en français et d'autres en anglais. Nous avons l'interprétation simultanée pour vous. Merci d'utiliser le bouton d'interprétation au bas de votre écran. Vous allez voir l'anglais et vous pouvez aussi choisir le français. Il y a deux choses auxquelles vous devez penser. Tout d'abord, nous allons vous montrer les sous-titres, soit en français ou en anglais. Vous allez voir le lien dans la boîte de clavardage. Ma collègue va partager ces liens avec vous. Utilisez les liens pour accéder aux sous-titres, soit en anglais, soit en français. Et il y aura une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Si vous avez besoin des sous-titres en anglais, vous pouvez appuyer directement sur le bouton Show closed caption ou montrer les sous-titres. Merci de vous familiariser avec les différentes icônes si vous ne les connaissez pas encore. Et j'aimerais vous prévenir qu'aujourd'hui, nous allons jouer certaines vidéos. Il y aura des parties en anglais et en français dans les vidéos. Nous voulons représenter les différentes langues. Alors, soyez prêts pour ces liens de sous-titres lorsque nous allons jouer les vidéos, parce qu'il n'y aura pas d'interprétation pour les vidéos. Il va falloir cliquer sur les liens et on va vous le rappeler, bien sûr, à chaque fois avant de commencer les vidéos. Notre travail et celui des programmes que nous soutenons aujourd'hui se situent sur les terres traditionnelles des Métis, Inuits et des Premières Nations. Nous sommes reconnaissantes de pouvoir nous réunir sur ces terres. Nous reconnaissons que les reconnaissances territoriales ne suffisent pas. Nous avons besoin de poursuivre la vérité, la réconciliation, la décolonisation et les alliances dans un effort continu pour rétablir l'ordre dans toutes nos relations. Apprenez-en plus sur les terres sur lesquelles vous vous trouvez en allant sur nativeland.ca. C'est disponible en anglais et en français. Voyez sur quelle terre vous vous trouvez et respectons le fait que ces terres sont partagées et qu'il reste encore du travail à faire pour la réconciliation, la décolonisation, la vérité et pour former des alliances. Mes collègues et moi-même avons mis en place ce webinaire pour que cet espace soit sûr et nous le faisons autant que faire se peut. Nous savons que les réseaux sociaux, tout ce qui est en ligne peuvent être des espaces qui ne sont pas sûrs pour les femmes, les jeunes filles, les personnes trans, les personnes de genre divers et les personnes binaires, surtout lorsque ces personnes sont aussi racialisées. Et lorsqu'on parle de d'égalité de genre, aussi on fait partie de la communauté de SLGBTQI+. Et ces personnes sont ciblées, ce n'est pas correct et cela doit changer. Nous allons parler de la sécurité en ligne, de la sécurité de genre
Et j'aimerais reconnaître que cela est courageux d'être en ligne lorsqu'on est une femme ou une personne de genre divers et qu'on veut l'égalité de genre. J'aimerais vous remercier d'être persévérant et d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons maintenant arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse voir les participantes et participants. Nous avons aujourd'hui trois prix que nous allons mettre en jeu et nous allons vous en dire davantage à ce sujet d'ici peu. Merci de rester pendant toute la durée du webinaire car nous voulons que des gens puissent gagner ces prix. Nous sommes aussi en train d'enregistrer cet événement car nous allons le partager avec vous et avec des personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Sachez qu'on ne vous verra pas sur l'enregistrement. Nous aurons aussi une période de questions-réponses un peu plus tard. Merci beaucoup d'avoir envoyé vos questions à l'avance. Nous avons des questions formidables. Vous pouvez aussi utiliser la boîte questions-réponses au bas de l'écran Zoom pour poser vos questions. Nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions, mais nous allons faire ce que nous pouvons pour vous envoyer un courriel de suivi pour répondre aux questions, surtout si ce sont des questions vraiment très intéressantes. Et sachez que nous n'allons pas vérifier la fonction « lever la main ». Nous allons parler aujourd'hui de la violence fondée sur le genre à de nombreuses reprises. Et donc, nous vous encourageons à prendre soin de vous. Vous pouvez vous éloigner de l'écran, vous pouvez éteindre l'audio si vous en avez besoin et vous pourrez revenir lorsque vous vous sentez prêt. Si vous voulez trouver des services qui peuvent vous aider dans votre région, allez sur la page de soutien sur notre site web. Vous voyez le lien à l'écran et nous mettons également le lien dans la boîte de clavardage. C'est disponible en anglais et en français. Merci d'avance si nous dépassons un peu le temps alloué parce que nous aimons ça parler. Et si c'est le cas, merci de nous le dire et nous apprécions votre patience. J'aimerais maintenant vous donner un aperçu de l'impact que vous avez eu en soutenant notre fondation et l'impact en termes de chiffres et en termes d'histoire. Nous allons passer aux vidéos.
Every woman, girl, and gender diverse person has the power, safety, support, and rights to thrive today and tomorrow. This is a bold new vision we can achieve together. Even in today's context of change and challenge, promise and opportunity. As donors, partners, and allies, your generous support of the Canadian Women's Foundation enables us all to rally together as a steadfast champion for gender justice and equality. We want to thank you for your commitment, and we want to give you a sense of the impact that you make in every province and territory. You touch the lives of so many people. Listen to this story. When people come in or learn about the center, the reaction is, this is what we have always needed, says Kirsten Bell, director at Revelstoke Community Connections Society in British Columbia. Our generous partners and donors, people like you, have enabled Revelstoke to open a new drop-in women's center this year. The center is in a remote area of British Columbia, and it helps women and gender diverse people facing abuse. People can drop in to talk to staff members about abuse issues they're dealing with in a safe space with kitchen, laundry, and computer facilities. They can also access a closet stocked with clothing and other supplies. Thank you for being there for women, girls, and two-spirit trans and non-binary people in the tough journey to find safety and rebuild their lives. De 2022 à 2023, la générosité de nos partenaires et de nos donateurs a permis à la Fondation canadienne des femmes de soutenir plus de 600 organisations subventionnées qui offrent des services et agissent en faveur de l'égalité et de la justice des genres dans des communautés à travers le Canada. Vous avez créé des opportunités de collaboration et d'apprentissage pour ces bénéficiaires de subventions pour aider à renforcer leur collectif. Et vous avez suscité un changement durable grâce aux efforts visant à modifier les politiques pour combler les écarts entre les genres, là où nous vivons, travaillons et nous divertissons. Vous apportez aussi un changement à tous les niveaux, individuel, familial, communautaire et dans l'ensemble de la société. Vous aidez à répondre aux besoins immédiats des filles, des femmes et des personnes de genre divers. Vous contribuez à surmonter les obstacles liés au genre et vous renforcez le mouvement féministe pour la justice de genre. Voici un autre exemple de vie que vous avez touché. When I graduated from university, I was so excited about the future and the prospect of unlimited possibilities. Equipped with degrees in economics and finance, I applied for jobs that matched my skills and personality, but I never got a call back. My education was not landing me the job I wanted, so I decided to make a career transition. I started by taking online coding courses, but without a technical background, I struggled to understand the concepts. It was a great relief when I found the Women in Technology Training Program at Making Changes. I signed up for the program and it helped me bridge the knowledge gap. It was intensive, challenging, and rewarding. I graduated from the program with more self-confidence, a great foundation in coding, and the skills that I needed to thrive in the workplace. I even landed my dream job, the kind of job I had applied for before the Women in Technology program. But this time, I got a call back. I work as an analyst in financial technology. And I love this job because it's a great fit for my interests, abilities, and personality. I feel fulfilled doing what I do because it motivates me to never give up as I continue to grow in my new career. I am glad I believed in myself. I am optimistic about the future, and I hope that people who hear my story will be inspired to follow their dreams and believe in themselves too.
511 of our grantee programs serve First Nations, Métis, and Inuit communities. 141 programs serve rural, remote, and northern communities in Canada. These communities tend to be more isolated. Internet access and transit options are limited. You might have to travel miles to get basic services. Our grantee partners in these areas do so much to meet the needs of women, girls, gender diverse people, and their families. They go above and beyond. We're particularly honored to continue to partner with Makeway Foundation on the Northern Strategy, guided by a Northern Women and Girls Advisory Committee with representatives from Yukon, Northwest Territories, Nunavut, Nunavik, and Nunaviasset. Our grantee partners include Baker Lake Prenatal Nutrition Project, which improves nutrition of expectant mothers and babies through education and hands-on cooking classes using both traditional foods and store-bought ingredients. And did you know that 557 of our grantee partners serve girls and young people under 30? Listen to this story about your impact. As girls approach adolescence, they face higher levels of sexual assault and other gendered violence, a decline in mental health, and negative stereotyping. And it's most effective to teach people about healthy relationships to self and others from a young age. That's why your support of grantee partner Mama Wichita in Manitoba is so important. They lead the Positive Adolescent Sexuality Support Program, also known as the PASS program. It helps Indigenous youth learn about healthy relationships and sexuality in a safe environment. They cover issues like dating violence, sexual health, and self-esteem. One young person in the program says, "We smudge, we support one another, and we have good food while we learn about important youth issues." Mama Wichita translates from Ojibwe to the phrase, "We all work together to help one another." The PASS program does exactly this for young people, and so do you when you support the Canadian Women's Foundation. À travers les subventions du programme de préparation à l'investissement de la Fondation canadienne des femmes, les organisations caritatives, les organismes à but non lucratif, les entreprises à vocation sociale et les coopératives dirigées par des femmes et des personnes bispirituelles, trans et non-binaires reçoivent du soutien. Ces organisations reçoivent des investissements et des ressources pour accomplir leurs objectifs sociaux, culturels et environnementaux et elles génèrent des revenus pour réinvestir dans leur mission. Depuis 2019, nos partenaires et donateurs ont permis d'investir dans 90 organismes à vocation sociale à travers le Canada. Une de ces organisations est The Abundance Store, gérée par la société Elizabeth Fry et Elevate Her en Nouvelle-Écosse. The Abundance Store emploie des femmes et des personnes aux genres divers qui ont été criminalisées. Cette opportunité leur donne la chance de gagner de nouvelles compétences professionnelles. Et elles vendent des articles qu'elles créent dans le magasin. Une employée du Abundance Store nous a dit « C'est agréable d'être soutenue par des femmes courageuses, fortes, qui donnent du pouvoir. C'est magnifique parce que je n'ai jamais eu le soutien nécessaire auparavant et je veux juste que les gens sachent que la guérison est possible. » You enable the Canadian Women's Foundation's strong and leading national voice on concerns that women, girls, and gender diverse people face every day. You also help create professional development, training, and best practice development opportunities for gender justice leaders and service providers. Leadership voices matter in the media as much as anywhere else. You enabled the annual Landsberg Award for Feminist Journalism, co-presented with the Canadian Journalism Foundation, in honor of iconic journalist Michelle Landsberg. This year's award went to Molly Hayes, Elizabeth Branzetti, and Tavia Grant for their Globe and Mail series on intimate partner abuse and coercive control. Leadership comes in many forms. It can come in the form of reclaiming and telling our stories. Your support of our grantee partner, Stardale Women's Group in Alberta, goes toward a very special project. Your support is enabling a filmmaker to work alongside Stardale Women's Group and young women in the community to help create a documentary entitled Warrior Women, The Beat of the Drum. Residential schools and colonization have stripped generations of our children and youth of our language, culture, and spirituality. And as Indigenous peoples,
warrior women, the beat of the drum is all about reclaiming and understanding the power of the drum, its traditional role in our communities, in our ceremonies, and in the healing it brings to the lives of our young women. When I was younger, I hated myself. I thought that I was broken, that no one could ever or would ever love me. It's the only way a child can grow up when their father abandons them. There is a sad and lonely girl. She has scars all over her body that she won't even show her mother. She's sweet on the outside, but she hurts on the inside. She's been abused since she was a child. I've learned to be on guard, wary of people on their phones around me, on buses and trains, to be scared of men and lingering looks. I've learned that there's a special breed of racism that allows girls like me to be stolen away, like Pocahontas. It was my first day at school, grade 8. I went to the washroom and I got beat up. It was two girls from grade 9. They cornered me and started pushing, punching, and kicking me in places no one else could see. My stomach, my legs, and my hips. Racism is so prominent that people are murdered and assaulted every day. And nothing changes. Girls like me go missing all the time. Landscape answers with the silence of a thousand heartbeats. Can you hear them crying? Can you hear them screaming? They are the voices of forgotten ones, left in darkness and fear. Little bones in the silence of a beaded history. History of abuse and power. This is our final chance. Maybe the final hour. Dead flowers of the forgotten ones on the highway of tears. Stand with your sisters. What happened to our sisters? Stand with your mothers. What happened to our mothers? Stand with your daughters. Happened to our daughters. Stand up for the missing and murdered. We are a beautiful race. We have endured all attempts to extinguish our flame. Asians are not a virus. Hispanics are not illegals. Black people are not threats. Muslims are not terrorists. Native people are not savages. Now, I'm sure you've been asked the question, where do you see yourself in 5 years? Well, what I like about that is that it's short enough to envision, but long enough to actually change everything. With fresh, new strategic priorities to guide us, the Kenyan Women's Foundation is coming into its own as an innovative, visionary, strategic organization that you empower with your donations, your attention, and your reinforcement. And we cannot thank you enough for all you do. With you, we will be a champion. We will advocate and create lasting change. We will be bold and demonstrate our impact. We will be steadfast, diversifying, and investing in the future. Again, our deepest thanks to each of you, to our partners and donors, our grantees, our board and staff teams, and our volunteers and followers. Read all about your impact at CanadianWomen.org and keep watching. Together, we will achieve gender equality and justice. On a travaillé sans relâche. On s'est battu pour la cause. Et ensemble, on a réécrit l'histoire. Plus d'une fois. On a fait bouger les choses à coups de persévérance. Sans jamais s'asseoir sur nos lauriers. En se disant plutôt, on le veut et on le vaut.
Parce qu'on sait que lorsqu'un moi devient des milliers, des millions de nous, c'est fou. C'est ce qui nous pousse à nous tenir debout, à ne pas s'arrêter tant que le Canada tout entier ne sera pas avec nous. Nous sommes les persévérantes. Et ensemble, nous atteindrons l'égalité des genres. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez tout saisi. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer le lien pour revoir cette vidéo et y porter plus attention. Maintenant, nous allons accueillir Suzanne Duncan, qui est la vice-présidente de la philanthropie. Elle et son épique parlent tous les jours avec des donateurs et des gens qui nous soutiennent, comme vous, tous les jours. Suzanne, j'ai une question pour vous. Nous avons des donateurs ici qui permettent d'avoir l'impact que nous avons vu dans la vidéo. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les préoccupations des donateurs? Merci beaucoup, Andrea. C'est formidable d'être ici aujourd'hui et de pouvoir partager un peu sur le travail important que font les donateurs. Comme vous l'avez dit, c'est un honneur de pouvoir parler avec de nombreux donateurs et des gens qui nous soutiennent tous les jours et de savoir qu'est-ce qui les préoccupe. Nous faisons face à des enjeux au sein de notre fondation qui touchent de nombreux aspects de la vie des gens. Et donc, il y a beaucoup de préoccupations. On se préoccupe des logements abordables, de l'augmentation de la violence familiale et de la violence fondée sur le genre, et également sur l'impact disproportionné de la crise climatique sur les femmes et les personnes de genre divers. Les préoccupations concernent la sécurité économique, l'abordabilité et la façon dont les femmes, les personnes autochtones, racialisées, les personnes souffrant d'un handicap et les personnes de genre divers sont marginalisées et n'ont pas de place à la table de discussion. Les préoccupations concernent aussi les jeunes filles et les personnes de genre divers. Donc, il y a beaucoup de préoccupations et ces préoccupations sont interliées. Et c'est pour cela que ces donateurs se tournent vers nous, la Fondation canadienne des femmes. Nous, nous assurons que les dons arrivent aux organisations de la base qui sont sur le terrain et qui créent des solutions à travers le pays. Et nous prenons aussi ce que nous avons appris de ces organisations-là pour qu'il y ait des changements au haut niveau, pour que nous puissions vraiment arriver à la cause du problème. Et cela est fondamental pour qu'il y ait du changement durable. Alors, le Rosemary Brown Collective, c'est un groupe de personnes qui soutient la Fondation canadienne des femmes. Quel est ce groupe? Alors, les donateurs nous soutiennent de différentes façons. Et j'aimerais remercier toutes les personnes ici présentes. Merci pour votre générosité. Merci pour votre engagement. Vous aidez à faire avancer la justice de genre et l'équité de genre. Mais j'aimerais maintenant parler d'un groupe de donateurs spécial qui nous aide à envoyer les financements dans les communautés et à changer la donne. En ce moment, nous avons près de 500 personnes généreuses qui font partie du Rosemary Brown Collective. Et ensemble, ils peuvent contribuer près d'un quart de million de dollars et ils font des dons de 10, 20, 100 dollars par mois. Et ils soutiennent les besoins de la Fondation canadienne des femmes. Et ensuite, ils reçoivent des résumés de l'impact qu'ils ont eu et on leur propose de se réunir pour parler de leurs préoccupations. Si vous faites partie du Rosemary Brown Collective, j'aimerais vous remercier. Et si vous voulez en apprendre davantage sur comment rejoindre ce collectif, merci de cliquer sur le lien qui est dans la boîte de clavardage. Et je dois vous dire que l'esprit de ce collectif vient vraiment honorer les valeurs fondatrices de notre fondation. Rosemary Brown était la première femme noire qui a été élue comme membre législative au Canada. Et elle nous a donné une citation
qui représente réellement nos valeurs aussi. Cette citation, c'est « Tant que nous ne l'aurons pas tous atteint l'équité, personne ne l'aura ». Et c'est vraiment une citation qui nous motive ici et qui motive ce collectif. Chacune d'entre nous, toutes les membres du collectif, est engagée à s'assurer que les femmes, les filles, les personnes issues de la diversité des genres au Canada aient du pouvoir, de la sécurité, du soutien et que leurs droits soient respectés. Merci, Suzanne, pour cet aperçu. Je vais inviter Ariane à revenir à l'écran avec moi ainsi que nos autres collègues à la Fondation canadienne des femmes. Et nous allons répondre à vos questions. Donc, je vous invite à écrire vos questions dans la boîte de questions et réponses si vous ne l'avez pas encore faite, la boîte Q et A. Je vais commencer avec quelques-unes des questions que nous avons déjà reçues. Nous avons reçu beaucoup de questions. Soyez prêts à faire de notre mieux, essayer de répondre aux questions au meilleur de nos capacités en restant bref. Paulette Senior est avec nous, présidente directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. Nous avons Anuradha Dugal, vice-présidente des initiatives communautaires, et Olga Savisten, vice-présidente des finances et des activités. Donc, je vous invite à faire des interventions qui sont brèves. Paulette, la première question est pour vous. Dans cette vidéo que nous avons vue, vous avez parlé de notre nouveau plan stratégique à la Fondation. Nous avons quelques questions au sujet de l'importance de la collaboration pour le changement transformateur. J'aimerais que vous parliez des formes que vont prendre cette collaboration dans les années à venir, alors que nous allons essayer d'atteindre des buts très ambitieux en matière de justice sociale. Merci, c'est extraordinaire de voir tout le monde ici aujourd'hui. Ça nous permet de partager les impacts que nous avons eus avec vous toutes, vous tous au Canada. La collaboration est une façon très importante de travailler pour la Fondation canadienne des femmes. C'est la façon dont nous travaillons, comme le disait Suzanne, avec nos partenaires donateurs, nos partenaires bailleurs de fonds, subventionnaires et nos partenaires gouvernementaux, toutes les personnes avec qui nous travaillons pour livrer différents aspects de notre plan stratégique. Nous avons un tout nouveau plan stratégique sur 5 ans qui va orienter notre travail pour les années à venir. Nous ne serions pas capables d'accomplir nos objectifs sans avoir des collaborations fortes et stratégiques. Pour nous, la collaboration implique de travailler d'une certaine façon, c'est-à-dire d'inclure les personnes qui ont les connaissances, qui connaissent des principes fondamentaux de ce travail. Nous allons chercher une expertise clé par rapport aux enjeux que nous abordons, les femmes et l'économie, les femmes et la violence. Plutôt, nous avons entendu un récit d'une femme qui a réussi à progresser dans sa carrière. La violence genrée, nous avons entendu de nombreux témoignages au sujet de la violence sexiste, l'importance de développer le leadership des filles, renforcer leur estime personnelle, leur confiance en soi. Nous ne pourrions pas atteindre ces objectifs sans collaborer avec les personnes qui sont sur le terrain, qui détiennent les connaissances, qui connaissent des communautés, qui sont spécialistes des enjeux sur lesquels ils et elles travaillent, qui ont la capacité d'entrer en contact avec les gens sur le terrain, ces personnes qui peuvent offrir un lieu sûr pour les femmes, les filles, les personnes issues de la diversité des genres. Donc, nous nous assoyons, nous travaillons avec les partenaires, nous parlons par exemple des subventions, des demandes de subventions que veulent faire les partenaires. Nous ne sommes pas des magiciennes, mais nous avons à cœur la mission des organismes. Et nous savons, comme la citation derrière vous, Andrea le dit, qu'il n'est pas question de chacune d'entre nous, mais de nous toutes. La confiance est très importante. Nous faisons confiance à nos partenaires. Nous faisons confiance à nos partenaires bailleurs de fonds. Nous savons que quand les gens viennent nous voir pour travailler sur la mission, la vision de l'égalité des genres et de la justice en matière de genre, il y a une dimension de confiance qui est très importante. Et ces partenaires savent que lorsqu'ils et elles contribuent des ressources, une expertise, ils nous font confiance de fournir des services qui sont efficaces, et je crois que c'est un des piliers de base de la collaboration.
Bon, j'essaie de rester brève, donc je vais arrêter ici. Merci beaucoup, Paulette. Merci. J'ai une excellente question. Nous recevons toujours d'excellentes questions par rapport à où va l'argent, comment faisons-nous en sorte que l'argent ait le plus d'impact possible. Plusieurs d'entre vous avez consulté le rapport qui est en ligne. Le lien est dans la boîte de clavardage. Donc, je vous invite à regarder le rapport. Les détails financiers s'y trouvent. J'aimerais vous donner un aperçu. D'abord, la façon dont la Fondation canadienne des femmes fonctionne est unique. C'est une fondation publique. Dans le rapport, je vous invite, s'il vous plaît, à nous donner un aperçu d'où l'argent est venu et où l'argent a été orienté l'année passée. Bonjour tout le monde, merci pour cette question, elle est excellente. La Fondation canadienne des femmes en a une façon de travailler unique. Nous faisons des cueillettes de financement et nous finançons des projets. La raison pour laquelle la Fondation a été fondée il y a plus de 30 ans, c'est parce qu'il y avait des ressources très limitées pour les organisations qui travaillent sur l'égalité des genres. La Fondation a pu combler des lacunes en matière de financement et nous continuons à faire ce travail aujourd'hui. Comme nous avons une portée nationale, nous pouvons fournir des subventions dans toutes les provinces, tous les territoires. Nous faisons des campagnes de financement, nous offrons des subventions et nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral. Au cours des deux dernières années, le
gouvernement a pu financer énormément d'organismes dans le secteur. Dans la dernière année fiscale, d'avril 2022 à mars 2023, nous avons reçu 63,5 millions en subventions du gouvernement fédéral, environ 4,7 millions en soutien philanthropique, plus de 800 qui ont été orientés dans les investissements, dans les revenus, et d'autres, le reste est venu de diverses sources de revenus. Comment l'argent a-t-il été dépensé? Nous avons donné plus de 60 millions de dollars en subventions. 7,5 millions de dollars ont été dépensés dans d'autres activités caritatives, comme le plaidoyer, renforcement des capacités. Nous avons également dépensé moins d'un million de dollars sur les campagnes de financement et un million de dollars en dépenses administratives. Notre ratio caritatif est à 96 %. C'est un indicateur très fort, mais nous ne croyons pas qu'il s'agisse du seul indicateur ou du meilleur indicatif de la dimension caritative. Plusieurs d'entre vous seraient d'accord avec moi. C'est toujours un défi d'avoir du financement pour les frais généraux, pour les organismes qui sont sous-financés, pour qu'ils puissent continuer à avoir un impact en lien avec leur potentiel. Nous savons que les OBNL doivent investir dans les frais généraux pour toutes sortes de raisons, y compris pour avoir la capacité d'attirer et d'embaucher les meilleurs talents, les meilleurs employés, de bien rémunérer les employés, d'investir dans l'innovation et la technologie. Je vous invite à consulter notre dernier rapport pour avoir plus de renseignements au sujet de notre travail au cours de la dernière année fiscale. Merci. Merci, Olga. Je n'ai jamais été aussi enthousiaste par rapport aux chiffres. Passons maintenant la parole à Anou. Cette question est excellente. Nous avons reçu plusieurs questions à ce sujet. Comment pouvons-nous travailler pour que les décideurs politiques agissent contre les féminicides, les femmes autochtones et personnes bispirituelles disparues et assassinées, la violence contre les femmes racisées? Plusieurs personnes posent des questions sur ces questions, posent des questions au sujet de la violence genrée. Qu'est-ce que les décideurs politiques et les gens peuvent faire pour vraiment faire une différence? C'est une question très difficile, je dirais de façon générale. Les gens doivent commencer par être plus à l'aise de parler avec des sujets difficiles. Il ne faut pas sous-estimer à quel point plus on parle d'un sujet, plus notre colère, notre indignation et notre tristesse augmentent. Donc, il faut savoir prendre soin de soi, mais en même temps, c'est une façon d'alimenter notre passion pour le changement. Plus on cherche à avoir des connaissances, à connaître les enjeux, plus on se dirige vers de l'action. Donc, je pense que c'est important pour les gens de trouver une façon qui fonctionne pour eux. Si vous êtes intéressé par l'écriture de courriels, de lettres à vos élus provinciaux, municipaux, fédéraux, et que vous vous intéressez à la question des féminicides, de la crise des femmes et filles autochtones disparues et assassinées, je vous invite à le faire, envoyez des courriels. Cette vidéo extraordinaire que les jeunes femmes autochtones ont fait, que nous avons vue plus tôt, vous pouvez l'envoyer à votre député, vous pouvez l'envoyer à votre commission scolaire, tous les endroits où vous croyez que votre voix sera entendue, où votre voix est importante. Peut-être que de contribuer à une campagne locale vous permettrait d'être directement avec ces enjeux qui vous tiennent à cœur. Donc, se renseigner, lire, agir, c'est important. D'inviter le gouvernement à déclarer que la vague de violence actuelle est en fait pandémique. Pourquoi est-ce important? Parce que ça force les gouvernements à prioriser cette réalité en matière de santé. C'est une façon de s'assurer que le soutien soit offert aux organismes clés par rapport aux préoccupations clés. Certains des organismes que nous avons soutenus bénéficient d'un soutien pour que leur travail soit accessible à tous les Canadiens et Canadiennes. L'Observatoire des féminicides canadiens pour la justice et la responsabilité. C'est un organisme extraordinaire qui nous fait compter les féminicides au Canada, quelque chose que nous n'avons jamais fait officiellement. Je tiens à souligner le travail de l'Association des femmes autochtones du Canada qui a mené des recherches dans un
terrain à Winnipeg. Nous espérons que ça continuera à avoir lieu au Manitoba. Elles appellent à un plan national d'action. Si vous voulez savoir si ça va se produire ou non, continuez à rédiger des lettres, à mettre de la pression, par exemple, pour s'assurer que ce site d'enfouissement soit fouillé. Si vous êtes intéressé par la question du harcèlement sexuel, vous pouvez regarder le travail de nos partenaires qui travaillent dans la foulée du mouvement MeToo. Plus tard, je vais vous parler du plan d'action national, qui est un autre mouvement de politique qui vise à transformer la violence genrée pour y mettre fin. Merci beaucoup à nous. C'était une grosse question. Vous avez bien répondu à la question. C'est très apprécié. Je regarde l'heure, il ne nous reste pas tellement de temps, mais il y a deux questions importantes auxquelles j'aimerais que nous répondions. Suzanne, j'ai reçu beaucoup de questions à l'avance et même maintenant. Plusieurs personnes demandent comment est-ce que je peux vraiment aider la Fondation. Très honnêtement, je crois que les gens ont à cœur le changement et ils veulent faire plus que le minimum ou ce qui est attendu d'eux, ce qui est attendu d'elles. Nous devons respecter cette aspiration. Que pouvons-nous faire? Et cette idée de pourquoi choisissons-nous les piliers que nous choisissons? Pourquoi priorisons-nous les personnes qui sont les plus à risque? Ce sont de très grandes questions. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Je crois que la première question, sujet d'une vraie aide, vraiment aider, vraiment continuer, à nous offre des pistes d'action très intéressantes. Comment est-ce que nous pouvons tous et toutes jouer un rôle en faveur de l'égalité des genres au Canada? Chaque personne doit évaluer son propre pouvoir, sa propre influence, ses propres réseaux pour comprendre ce que chacune d'entre elles peut faire d'unique ou d'aidant. Pour de nombreuses personnes, il s'agit de faire un don à la Fondation canadienne des femmes ou à d'autres organismes caritatifs qui travaillent avec les filles et les femmes. D'autres personnes peuvent faire du bénévolat au sein de leur communauté avec nous. C'est important de savoir si vous avez les ressources, si vous avez le temps de faire ce type de démarche. Nous avons reçu énormément de soutien sur les réseaux sociaux. C'est très important. Plus nous amplifions les voix des personnes qui exigent la justice de genre, plus nous allons favoriser le changement. Ça peut paraître limité d'agir en ligne, mais c'est quelque chose qui peut en fait vraiment avoir un impact. Ça montre à quel point il y a énormément de soutien envers les initiatives progressistes au Canada. J'en reviens à votre question par rapport à nos piliers. Je l'ai dit dans ma dernière réponse, les vies des gens sont très compliquées. On ne peut pas avoir accès à la sécurité si on n'a pas accès à la sécurité économique. On ne peut pas avoir une expérience de parentalité productive si on n'a pas de foyer, de maison où vivre. Tous ces éléments sont interreliés et à la Fondation canadienne des femmes, nous nous concentrons sur des piliers clés, y compris rebâtir des vies après un épisode de violence genrée, une expérience de violence genrée. Nous aidons les jeunes à bâtir des relations saines entre eux, entre elles. Nous avons des programmes pour les filles qui contribuent à bâtir la confiance en soi des filles, l'acquisition de connaissances. Et nous avons également un programme de développement économique qui finance des organismes ou personnes qui se forment pour se réorienter, pour lancer leur entreprise, pour progresser dans leur carrière. Nous savons que toutes ces dimensions sont interreliées. Anne nous le disait plus tôt, nous avons des bourses communautaires qui sont très flexibles, qui peuvent soutenir différents types de projets. Évidemment, toujours dans les domaines clés de travail, les initiatives qui ont un lien avec le plaidoyer. J'encourage les personnes qui plus nous utilisons voix, plus nous amplifions ce qui est important pour nous, plus nous allons contribuer à créer ce mouvement. Merci. Une question pour vous, Paulette. Votre leadership inspire de nombreuses personnes. Nous recevons énormément de questions de la part des personnes qui veulent développer
développer leurs compétences de leadership, des personnes qui travaillent en matière d'équité de genre et ou des gens qui s'intéressent au féminisme, à la justice en matière de genre, à l'égalité. Pourriez-vous rapidement nous parler du leadership? Que la réponse m'intéresse. Merci, Andrea. Je vais voir comment je peux cristalliser ma réponse. J'ai eu le privilège de diriger un organisme pour femmes. Je fais ce travail depuis 35 ans. J'ai exercé des rôles de leadership et j'ai fait du travail de première ligne. Donc, j'ai une expérience assez complète. J'ai été supervisée et j'ai supervisé, j'ai été dirigée et j'ai dirigé. Quelques éléments importants quand j'entends cette question. Je vais faire de mon mieux pour nommer ces éléments. C'est d'abord important d'être transparent par rapport à qui j'en ai, je crois. Je ne suis pas qui je suis, femme noire. C'est important pour moi de diriger en ayant l'esprit, les forces des personnes avec qui je travaille. Il faut que je sache qui sont ces personnes et je dois comprendre ces forces-là. Lorsque je dirige, je dois faire preuve d'intention et de courage et de conscience. Et je choisis ces mots-là avec intention. En tant que leader, on est examiné constamment. Tout ce qu'on dit, le langage corporel, le ton de la voix, tout cela a de l'importance dans le leadership. Donc, en tant que leader, il faut être conscient de cela. Et on doit être conscient du fait que les gens vont essayer de reproduire certains de ces aspects. Et on est aussi souvent critiqué. N'importe qui peut vous critiquer. Et c'est correct. La perfection, ce n'est pas l'objectif. L'honnêteté, la transparence, la confiance, le fait d'être clair lorsqu'on parle de ses faiblesses et de ses forces, c'est cela qui fait partie d'un bon leadership. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche lorsque je dirige mes équipes. Je ne dirige pas les équipes, d'ailleurs, je dirige avec mes équipes. Et ces équipes-là, ces membres d'équipe, j'aime lorsqu'ils sont intelligents, même plus intelligents que moi, en ce qui concerne l'accomplissement de leurs tâches. Et c'est mon travail de faire ressortir ces forces-là. Et pour cela, j'écoute attentivement. C'est important d'écouter attentivement les personnes que l'on place à des postes de leader et de comprendre que ce sont ces personnes-là qui sont en première ligne et qu'il va falloir écouter leurs conseils. Je pense que c'est important de comprendre quand c'est notre temps d'être à l'avant-plan, quand ce n'est pas notre temps, et de permettre au leadership des autres de s'épanouir. Donc, c'est une part importante du leadership.
Je pense qu'au bout du compte, ce que je vise, c'est une approche de leadership qui est inclusive. Je veux m'assurer que l'équipe avec laquelle je mène, avec laquelle je lead, comprenne ces principes importants du leadership. Avec empathie, avec cœur, avec sagesse, expertise, connaissance, c'est tout. Tout cela est important. C'est très important de comprendre où on se situe dans notre propre parcours de leadership. Merci, Paulette. Merci pour ces sages paroles. Olga, plusieurs d'entre nous ne connaissons pas les personnes qui sont derrière les histoires, les récits d'impact de la Fondation canadienne des femmes. J'aimerais que vous nous en parliez et que vous parliez de pourquoi nous sommes reconnaissantes envers elles. Nous sommes très reconnaissantes d'avoir une extraordinaire équipe à la Fondation. Notre équipe travaille très fort, surtout depuis 3 ans. Et sans l'équipe, nous n'aurions pas la capacité d'avoir l'impact que nous avons. Nous sommes reconnaissantes envers nos employés. Nous voulons soutenir leur bien-être parce que nous savons que l'époque actuelle pose de nombreux défis. Nous remercions le conseil d'administration, nos bénévoles, qui donnent de leur temps parce qu'elles ont à cœur la justice en matière de genre. Merci, Olga. Au cours de l'année, nous avons reçu des questions de la part de nos sympathisants francophones qui sont abonnés à nos communications par courriel au sujet de recevoir des courriels en français. En tant qu'organisme à but non lucratif, nous fonctionnons sous un budget limité et notre personnel travaille fort pour augmenter notre capacité pour communiquer avec vous en français. Pour le moment, nous sommes limités par les temps et les budgets dans la quantité de contenu français que nous pouvons partager avec vous, mais nous voulons que vous sachiez que notre but est de communiquer avec vous entièrement dans votre langue préférée et on travaille très, très fort en ce moment pour le réaliser. Nous vous remercions pour votre compréhension alors que nous faisons de notre mieux pour mieux vous servir. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre période de questions. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos questions et merci également à nos collègues qui se sont joints à nous avec leurs réponses perspicaces. Maintenant, je vous en prie de regarder cette vidéo sur votre impact cette dernière année. I am Anita Amarnath. I completed my master's in technology in 2014. And wanted to become a college professor. But my husband's dream was to move to Canada, so I followed his dream. When I moved here, I realized it would not be easy to find a work in my field. I decided to focus on becoming a web developer and needed to upgrade my technical and communication skills. At the same time, we needed to take care of ourselves. Preschool is expensive and it was really hard to find a daycare spot in Vancouver. Then I started to explore my community. I found ISS of BC and approached them. They provided career advice and told me about Tech Woman program, which I joined in 2018. Tech Woman has 4 sections: language training, technical skill training, job readiness, and project demo. This aligned exactly with what I was looking for, and they also provided childcare support for myself, which made it so much easier to participate in the program. My son's daycare was in the same building as the Tech Woman program, and as a mother, that helped me feel more relaxed. After completing the Tech Woman program, I got an opportunity to join an immersive bootcamp in one of the technical schools, and I completed my diploma in web development. After completing the course, I worked as an automation test engineer, then as a WordPress developer. Currently, I am a software developer at one of the best companies. I love working as a developer and creating software that is user-friendly. I found a way to fulfill my dream in my new home in Canada.
Donc, l'histoire d'Anniton n'est qu'un exemple de l'impact que vous avez eu cette année. Il y en a tellement d'autres. Les préoccupations économiques sont dans toutes nos pensées ces jours-ci, j'en suis certaine. Les enjeux économiques touchent la vie des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre de manière unique et nécessitent donc des solutions uniques. Je vous présente deux de mes collègues qui parleront de ce que la Fondation canadienne des femmes fait en ce moment pour éliminer les obstacles économiques liés au genre au Canada. Ce que nous on fait pour créer des possibilités économiques. My name is Munira Abukar and I am the manager on the Community Initiatives team who oversees our Economic Development Grants Program. I'm here today with my fantastic colleague Karen Campbell, who's our Senior Director of Community Initiatives and Policy, to talk to her about our work to support women and gender diverse folks and people in Canada to overcome the gender and economic barriers they face today. Hi, Karen. Hey, Munira. How are you doing? Good, thanks. All right, well, let's jump right into this. So Karen, we know that women, and particularly Black, racialized, migrant, and middle-income women, took the brunt of economic losses during the pandemic emergency. How are they faring now? Yeah, so we are certainly in an unpredictable moment economically. An uncertain pandemic recovery has not brought in the kind of stability and security that we've all been looking for. We see that wages are lagging, particularly in many women majority sectors, and price hikes on life essentials like food and housing have been followed by increases in interest rates, which we've all seen in the news and we've all been experiencing ourselves. These mounting pressures have really exacerbated existing inequalities. Women and gender diverse people, particularly those who are the most marginalized in our communities, are experiencing these pressures disproportionately. Yeah, it's tough to hear, and especially I think you're right to the point about seeing it all over the news. What does that look like in terms of employment? So employment figures show an economy that is still in flux. Between September of 2022 and January of 2023, we saw women's employment numbers rising by an average of 24,000 jobs per month, reaching an all-time high, actually, of 82% at the beginning of this year. That growth has slowed in recent months, averaging about 7,000 jobs per month between February and June. But with that said, almost one quarter of women are still employed in part-time work. So when full-time work increases, but we see part-time jobs declining, we know that that's affecting a lot of racialized women who are losing their jobs. Yeah, it's awful to hear. I mean, Karen, we often talk about disaggregated data. Do we know if all women having the same experience are having the same experience of instability? And essentially, what barriers and pressures are these women really facing? Yeah, that's a great question. No, not all women and gender diverse people are having the same experience, certainly not. In this moment, we're basically facing the combined pressures of costs rising and flat or declining incomes. At the end of 2022, one third of women in Canada reported that they were struggling with household finances. 29% of all women in Canada reported that they were unable to cover a $500 unexpected household expense. And if you look at that across marginalized populations, that percentage is far greater. So 44% of immigrant and racialized women would not have been able to absorb that kind of extra expense. 48% of Indigenous women, 43% of women with disabilities, 42% of 2S LGBTQ plus people. So it's not the same picture for everybody, certainly. Yeah, and I'm glad that the data paints a really colorful picture of what's happening. Through our grant making, the foundation has invested millions of dollars in economic development programs for women and gender diverse people across the country, and has worked to strengthen the capacity of organizations supporting program participants on this journey towards a sustainable livelihood. Can you tell us about some of the exciting initiatives on our team that we're currently working on this area? And I know there's quite a few. Yeah, thanks for this question. I love talking about our work in this area because there's so much happening and it's all connected to each other and it really is energizing and exciting to talk about.
The grant making that you spoke about is really at the core of our economic development work. We're currently supporting 11 grassroots organizations across the country who are equipping women and gender diverse people with the skills that they need to break into well-paying fields where they're typically underrepresented. And they're offering wraparound supports like childcare and transportation subsidies, referrals for safe housing if they need it, referrals to mental health services if they need it, to make sure that the participants in these programs can bring their full selves to the programs and fully benefit from the programming being provided. We also know that women and gender diverse people often turn to self-employment because they encounter barriers to employment and to advancement in the workforce. And those kinds of barriers include experiences of gender-based discrimination, sexual harassment, racism, ableism, and other forms of discrimination sometimes experienced multiply at the same time. So self-employment is sometimes really a viable alternative to trying to make your way in these multiply barriered workplaces, and also an alternative to restrictive workplaces that don't offer flexibility for things like caregiving commitments that disproportionately fall to women. We have two major projects that focus specifically on building a national feminist entrepreneurship ecosystem. The Investment Readiness Program is one of them, funded by Employment and Social Development Canada. And through that program, we support women-led and women-serving social purpose enterprises. Since 2019, we've invested $5.2 million in 90 social purpose enterprises led by women and gender diverse people. Through our Partnering for Feminist Entrepreneurship project, which is funded by the Government of Canada's Women's Entrepreneurship Strategy, we're currently working with 7 community-based organizations to address the barriers that women and gender diverse entrepreneurs are facing. And we're trying to build evidence of the benefits of feminist business practices to foster communities that meet people's needs without causing harm. Thank you for sharing all this information today with us, Karen, and giving us a really good overview of where things stand for women and for gender diverse people in the economy and the work we're doing to affect change. I think I speak for both of us when I say I'm so hopeful that we're leaving it into good hands and that we can look forward to seeing a stronger economy and more diverse economy in Canada. So thanks for sharing all that. Thank you so much, Munira. C'est à mon tour. Je sais que pour mettre fin à la violence fondée sur le genre, comme la violence entre partenaires intimes, la violence sexuelle et la violence psychologique, c'est un objectif très important et nous n'y arriverons pas si nous ne sommes pas en sécurité. 44% des femmes sont victimes de violences d'un partenaire intime au Canada et une femme ou fille est tuée par la violence toutes les 48 heures. Et les femmes racialisées, les femmes autochtones, les femmes handicapées et les personnes de la communauté 2SLGBTQIA+, sont confrontées à des taux de violence très élevés. Nous avons besoin de 2 types d'actions aujourd'hui. L'intervention pour aider les survivantes à reconstruire leur vie après la violence, mais également des actions de prévention pour arrêter cette violence avant même qu'elle ne commence. Cela inclut un changement de culture et de système. Merci de regarder ce vidéo. I might have a technical glitch. We'll get back to that video. It led to a dramatic increase in domestic violence, with abusers constantly monitoring devices and listening in on calls. This signal for help. It's a campaign by the Canadian Women's Foundation. We developed a hand signal that can be slipped into a video call. We used this global shift in video calling and invented a new way for women facing domestic abuse that they could call for help without leaving a digital trace. You face your palm to the camera, you tuck your thumb, and you trap your thumb. It means I need help and I need you to check in with me safely.
We launched with organic posts, designed with simple instructions on how to use the signal if you need help and what to do if you see it being used. It linked to a social media toolkit that an army of over 200 women's groups instantly downloaded, customized, and shared. Then we followed up with a PSA. I know your mom's a great baker, so should be good. Exploding on TikTok, it became social activism on a global scale. Amplified by influential voices, the signal has made headlines in over 45 countries. Reported by women who use the signal to seek out help. Syrian YouTuber Om Saif used the hand signal on her channel, triggering her subscribers to alert the authorities. Followed by this global news story from the U.S. Brooke is in police custody this morning, accused of abducting a teenager. Authorities say a hand signal she learned from TikTok may very well have saved her life. In Spain, police detained a man after they saw a woman use the signal during a routine traffic stop. Another man was detained after a woman used the signal in a healthcare clinic. Mobilized by a global community, the signal for help continues to be recognized as the silent call for those who need help. Fantastique, c'est formidable que vous ayez pu voir cette vidéo. Alors, Pamela De Pinto nous rejoint. Elle est la gestionnaire de campaigns, la gestionnaire des campagnes à la Fondation canadienne des femmes. Merci de nous parler donc du signal qui est un outil vital pour la prévention de risques. Merci beaucoup pour cette question, Andrea. Ce signal d'appel à l'aide que vous avez vu dans la vidéo permet de donner une option aux personnes qui sont dans des situations de violence et de maltraitance. Ces personnes peuvent ainsi appeler à l'aide et cela soutient les efforts d'intervention. Mais comment est-ce que nous répondons et apportons du soutien? Ce signal-là a vraiment pu engendrer des conversations. Souvent dans des situations d'abus, les gens ne vont pas contacter leur famille ou leurs amis, les autorités. C'est pour cela que nous sommes en première ligne et nous devons savoir comment répondre de façon sûre, sans jugement. Et c'est le type d'intervention qui peut aider les survivantes et survivants pour qu'ils puissent reconstruire leur vie. Et lorsque beaucoup d'entre nous sommes engagés, nous pouvons mettre fin au silence qui entoure la violence fondée sur le genre. Pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité. La violence et l'abus, ce n'est jamais acceptable. Et c'est comme ça qu'on peut changer notre culture et empêcher qu'il y ait de la violence. Vous savez, souvent, on se sent impuissant et on se dit que peut-être que nos actions ne changent pas la donne. Mais ce que vous voyez dans la vidéo, c'est que ce signal-là permet de changer les choses et nos actions permettent de changer les choses, que ce soit dans nos interactions avec les gens, au quotidien ou de façon collective. Donc, si vous voulez vous engager avec ce signal, nous avons des options sur notre site web. Vous avez le lien dans la boîte de clavardage aussi. Vous pouvez, par exemple, vous inscrire pour être un répondant du signal à l'aide. Et il y a à ce moment-là, on vous envoie un guide qui vous donne différentes ressources et qui vous donne des informations. Et vous avez aussi accès à un mini cours pour être un répondant. Et cela vous permet de savoir comment répondre à ce signal à l'aide. Nous avons aussi une série de webinaires qui inclut des experts et qui vous parle de ce soutien axé sur les survivants et survivantes. Et nous devrions tous et toutes incorporer cela dans notre vie. Il y a ces options-là en français et en anglais, et vous pouvez choisir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et ce que nous voulons, c'est aussi mettre cela en place sur le lieu de travail. Et nous avons des ressources pour que vous sachiez comment réagir sur le lieu du travail. On a un mini-cours, on a un module là-dessus, et on peut aussi vous offrir des formations. Le mois prochain, nous allons partager une action par jour avec vous
pendant les 60 jours de lutte contre la violence fondée sur le genre et vous pourrez amener toutes ces ressources-là sur le lieu de travail. Regardez notre LinkedIn et notre site web. Merci, Pam, pour cet aperçu. Nous avons lancé l'appel à l'aide au départ parce que la pandémie en 2020 a mené à une hausse des incidents de violence. C'est ce qui arrive en moment de crise. Nous savons que ça arrive, c'est arrivé par le passé, mais nous ne sommes pas toujours prêts à y faire face. Parlez-nous des lacunes en matière de préparation en contexte de violence genrée. C'est très important parce que nous savons que dans le cadre des urgences, les personnes sur la diversité des genres, les femmes, les jeunes font face à beaucoup de filles, ont des vulnérabilités accrues, le manque de transport, le fait de devoir être évacué vers une collectivité où vous n'avez, les personnes n'ont aucun soutien. Ces vulnérabilités font que les personnes sont en situation de danger. C'est beaucoup plus difficile, par exemple, pour une femme, par exemple, qui est évacuée d'un refuge d'urgence, qui a déjà vécu une forme de traumatisme. L'urgence retraumatise la personne. Les personnes qui offrent des services doivent être conscientes de cette réalité et doivent développer la capacité de soutenir les femmes et les personnes issues de la diversité des genres de façon soutenue à l'aide de protocoles d'urgence, de lignes directrices. La Fondation canadienne des femmes a lancé un programme qui s'appelle « Préparer les communautés ». Qui est centré sur la recherche, les apprentissages, le soutien communautaire qui permettent de faire face aux problèmes de violence genrée dans tout type d'urgence, y compris la crise climatique que nous constatons en ce moment. Nous encourageons les gouvernements à intégrer, donc à l'échelle municipale, provinciale et fédérale. Les gouvernements doivent intégrer des analyses genrées dans tous les plans en matière de catastrophe ou d'urgence. Les gouvernements doivent être conscients des risques, des vulnérabilités en lien avec la violence genrée qui pourraient servir en situation d'urgence, de crise. Nous sommes en partenariat avec le réseau municipal canadien pour soutenir les plans d'urgence. Nous travaillons également avec des organisations directement pour créer un mini-cours qui permet à tous les organismes de services de première ligne de développer des lignes directrices en matière de continuité des services qui peuvent être utilisés en cas d'urgence. J'ai encore quelque chose à dire au sujet du plan national d'action. S'il me reste du temps, parfait. Nous savons que la raison pour laquelle la violence genrée a connu une hausse pendant la pandémie, c'est parce que les organismes étaient déjà en crise. Les organismes faisaient déjà face à des difficultés, d'énormes difficultés, avaient beaucoup trop de demandes et dans le cadre de la crise de pandémie, ont dû ajouter des tâches, préparer des paniers de nourriture, trouver des moyens d'entrer en contact avec les femmes à distance, s'assurer que les employés sont capables de faire face à leur propre stress et soutenir des communautés en crise. Donc, si les organismes manquent déjà de ressources, lorsqu'un stress supplémentaire arrive en raison d'une urgence, il est essentiel d'avoir un plan qui tient compte de la complexité de la situation. Le plan que nous proposons est le plan de lutte contre la violence genrée. Le gouvernement y travaille actuellement. Nous avons quelques ententes en lien avec le logement, la garde d'enfants, les infrastructures. Il reste encore énormément de travail à faire. Nous devons
Nous voulons savoir quels programmes de prévention et d'éducation seront mis en place. Nous voulons savoir comment les forces de l'ordre, le système juridique, les juges, la police seront formés pour intervenir en cas de violence genrée. Et nous devons nous attaquer aux causes, à la racine de la violence genrée, à la base de la violence genrée, pour répondre aux inégalités partout dans le pays. Nous ne pouvons pas toujours penser que les femmes et les enfants sont autant en sécurité dans une collectivité que dans une autre. Il y a des facteurs d'inégalité et nous voulons que le Plan national d'action s'y attaque. Nous sommes très fiers de ce travail. Merci beaucoup. Nous apprécions ce que vous faites. Maintenant, je vais libérer Pam et Anou. Je vais demander à Ariane de revenir à l'écran avec moi. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans la région de Toronto, je vous invite à participer à la présentation du 16 novembre. Nous allons parler de comment transformer la culture qui a des problèmes de soutien des personnes survivantes de violences. Il y aura Angela Serrett, Jake Spica et Paulette Senior seront parmi les intervenantes. Il y aura d'autres items au programme. Des questions importantes seront abordées, comment démanteler des mythes au sujet de la violence, qu'est-ce qui met fin à la violence, quelles sont les responsabilités des gens dans le milieu de travail, qu'en est-il de la crise climatique, comment se protéger les unes les autres. Et je vous invite à vous joindre à la conversation en ligne ou en personne. Je vais maintenant passer la parole à Ariane. Je vais vous demander de nous parler du prix pour les créatrices féministes. Le nouveau prix pour les créatrices féministes de la Fondation canadienne des femmes, vous en avez peut-être déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, nous venons de le lancer. C'est un prix qui reconnaît, qui soutient et soutient des créatrices féministes qui font la promotion de conversations critiques au sujet de la justice en matière de genre, l'égalité en matière de genre, la sécurité et la protection contre la violence. Les gagnantes sont choisies par un panel de juges qui sont créatrices elles-mêmes. Les gagnantes reçoivent 5 000 $ et ont accès à des occasions de présentation, d'exposition, de célébration. Nous sommes ravis de lancer le prix cette année avec 3 juges extraordinaires, Sacha Exeter, Hannah Song et Kyne Santos. Nos premières gagnantes seront choisies par ce panel de juges et leur nom sera annoncé le 8 mars 2024. Les créatrices admissibles sont des individus et les groupes qui créent des balado-diffusions, du contenu de médias sociaux, des jeux, des vidéos, des outils éducatifs, des applications, des images et autres. Si vous aimeriez suggérer certaines de vos créatrices préférées, ou si vous aimeriez en savoir davantage au sujet du prix, vous pouvez consulter le site en suivant le lien qui est dans la boîte de clavardage. À vous, Andrea. Merci beaucoup, Ariane. Nous avons très hâte de voir ce prix. Nous avons lancé ce prix parce que nous voulons lutter contre le harcèlement en ligne, la violence en ligne. Une femme sur cinq souffre de harcèlement en ligne au Canada. Les femmes racisés, les membres des communautés de SLGBTQIA+, et les femmes autochtones font face à davantage de risques. Nous savons que la haine en ligne va augmenter et ces groupes de personnes, les femmes, les membres des communautés de SLGBTQIA+, et les personnes appartenant à des minorités religieuses sont davantage susceptibles d'en souffrir. Donc, nous voulons travailler là-dessus avec des spécialistes et nous abordons la question dans notre balado de diffusion. Chaque semaine, nous avons un nouvel épisode où nous faisons des entrevues avec des personnes qui ont une expérience vécue ou un regard sur la question. Nous allons parler de ce que ça veut dire de se réapproprier la technologie. J'ai une entrevue bientôt avec Emma et Floly. Et Floly, des créatrices de contenu, populaires sur des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram. Et ces deux personnes parlent entre autres d'égalité dans les relations amoureuses. Regardez cet extrait. Healthy romantic relationship content seems to trigger special backlash on your channels. So related to that, we often speak to online behavior that's harmful in platforms like Instagram and Facebook. But I'm curious about the gendered abuse and harassment in dating apps. The dating apps
they're all about, you know, yes, of course, helping you find your match, but also making money, right? So their priority is not to make it a safe space necessarily. Yes, there is, for example, Bumble, which is, I think that the woman has to be the one writing first, but still, I mean, it's one step, but it's not necessarily creating really these safe spaces, because once you're in contact with the other person, then it's just in. You know, someone can just be harassing, and then they're reported, their account is taken down, boom, the next day they create a new account, like nothing happened. There's no like follow-up, like concretely, to really erase these abusers and perpetrators from these sites. It's so easy to just see people as products because we're just swiping through people. So there is also this sense of, I'm not really talking to a real human being. So hate and violence can be perpetrated so much more easily. They're just a picture. They're just there. I can write anything and then unmatch them. And the way we can make a link between dating apps and, you know, digital hate is that, you know, what happens when women and girls say no? Their boundaries oftentimes are just not respected. What happens when they say no, whether that is when they are engaging with their partners and say no to have sex, or whether that is they do not want to go on a date with this person. And unfortunately, even though they block or they say no, well, they will still find them on Facebook, or they will still, you know, text message them. Just a reminder that unfortunately, there is still so much work to be done to protect and to enhance women's safety. So healthy romantic. Merci beaucoup. Vous pouvez écouter All Right Now What, n'importe à tous les endroits où vous trouvez des balado-diffusions. Vous pouvez en savoir davantage au sujet de nos balado-diffusions français et en anglais sur notre site web. Le lien est dans la boîte de clavardage. Nous en sommes à la fin de notre conversation. C'est maintenant le temps de gagner des prix. Nous avons des cartes cadeaux de Giant Tiger, notre partenaire depuis plusieurs années. Tigre Géant soutient des programmes pour les filles et les personnes non-binaires partout au Canada. En soutenant notre fonds pour les filles, des milliers de personnes ont profité de leur soutien. Nous avons également une carte cadeau de Lily Roo, un autre partenaire généreux, fondé par Lily, une entrepreneure de 10 ans. C'est une entreprise qui crée des chandelles de cire parfumées. Les chandelles apportent la tranquillité et de la joie à des moments quotidiens. Pour participer au tirage, vous devez remplir, compléter notre sondage de rétroaction. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation d'aujourd'hui. Nous prenons ces commentaires très au sérieux. Nous y répondons. Ce n'est pas du tout perdu, donc nous apprécions énormément que vous répondiez à ces questions. Il y a tellement de façons d'agir et de rester en contact avec la Fondation canadienne des femmes. Vous pouvez vous joindre au collectif de dons Rosemary Brown, dont Suzanne nous a parlé plus tôt. Vous pouvez devenir une intervenante pour l'appel à l'aide. Vous pouvez écouter nos balado-diffusions, vous inscrire à l'infolettre, nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose pour tout le monde. On peut tout y trouver notre compte. Vous pouvez voir les liens dans la boîte de clavardage. C'est impossible d'avoir une Fondation canadienne des femmes sans vous tous, sans vous toutes. Vous jouez un rôle essentiel et vous êtes plus nécessaire que jamais pour bâtir notre vision. Une vision selon laquelle toutes les femmes, filles et personnes issues de la diversité des genres ont le pouvoir, la sécurité, le soutien et les droits qui lui permettent de s'épanouir aujourd'hui. Maintenant et à que nous sommes arrivés à la fin de notre assemblée, merci beaucoup de vous être jointes à nous aujourd'hui. Merci pour vos questions et vos commentaires si bien réfléchis. Nous sommes reconnaissantes de votre engagement envers la justice de genre. Merci à vous tous, à vous toutes pour votre participation, vos questions. Nous sommes très reconnaissantes de votre présence, de votre engagement vers la justice en matière de genre. Maintenant, une grande main d'applaudissements. Nous remercions nos employés, nos sympathisants et sympathisantes qui ont fait de cette journée une réalité. Ça prend énormément de travail pour que des événements aient lieu en coulisses et sur scène. Énormément de travail est investi. Merci à nos intervenantes, à nos animatrices, à nos interprètes, aux personnes qui se sont occupées des sous-titres, aux interprètes en LS.
et en ASL et à notre équipe technique. Vous avez toutes rendu cet événement possible, accessible, sécuritaire. Vous nous avez réunis. C'est un art, ce n'est pas toujours facile. Merci pour votre travail. Nous vous apprécions, nous apprécions le travail que vous faites pour la Fondation canadienne des femmes. Un dernier appel. Pour avoir la chance de gagner un des deux prix mentionnés par Andrea. Please don't forget to fill out the survey for a chance to win one of the two prizes Andrea mentioned. We will also avoir la chance de gagner l'un des deux prix mentionnés par Andrea. Nous allons vous envoyer un lien avec un courriel de suivi. Merci encore tout le monde. Je vous souhaite une très belle et bonne journée.